Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Meghan Markle et on va parler en fait du discours qu'elle a tenu hier. En fait, c'est pas vraiment le discours dont je vais parler. Lors de ma précédente vidéo, j'avais dit que je vous parlerais bien sûr de ses cheveux et de vous dire pourquoi ils étaient comme ils étaient dans le clip vidéo qu'ils ont montré sur le site de Girls Up. Donc, on voit bien Meghan avec de longs cheveux, de très longs cheveux, plus longs que d'habitude. Bien coiffée, des cheveux qui sont appliqués sur sa poitrine. Il y a certaines personnes qui se sont demandé pourquoi elle avait cette coupe-là, des cheveux longs et sur la poitrine. J'avais dit que je voulais en parler. Là, ce que je voulais en dire, je voulais tout simplement dire en fait que Meghan, on dirait qu'elle essaie de cacher sa poitrine avec ses cheveux. Donc les cheveux sont mis sur la poitrine. Et pourquoi elle essaie de cacher sa poitrine? Ben tout simplement parce que peut-être elle serait enceinte. Donc elle sera enceinte, le moyen de cacher ça en mettant les cheveux sur la poitrine de telle sorte que ça puisse distraire le spectateur et qu'il ne se pose pas trop de questions. Si elle avait enlevé les cheveux, on aurait pu voir en fait qu'elle avait une poitrine plus volumineuse qu'avant. C'est vrai qu'avant elle allaitait peut-être encore le petit Archie qui a maintenant 1 an, mais là on voit clairement qu'il y a un certain gonflement. Et de toute façon, elle porte un habit ample. Donc l'habit ample en fait renvoie encore à cette idée de grossesse qui semble obséder les fans, ça c'est sûr, moi je suis obsédée par ça, mais aussi obséder les haters qui ne veulent pas la laisser tranquille. Donc j'ai oublié de mentionner ça dans ma précédente vidéo. En même temps, je suis contente de l'avoir parfait parce que je ne veux pas parler de quelque chose si c'est quelque chose de personnel à la duchesse, si elle ne veut pas qu'on sache. Il y a tellement des jaloux sur cette terre que s'ils se rendent compte qu'elle est vraiment enceinte, ben j'ai peur qu'ils pourraient souhaiter quelque chose, prier leur diable pour que quelque chose puisse arriver. Donc je fais cette vidéo parce que vous m'avez demandé ça en commentaire tellement de fois que vraiment je ne peux pas passer outre, je ne peux pas esquiver la question. Je m'étais dit qu'il fallait pas que je réponde, que je ne parle pas d'une possible grossesse parce que Meghan a trop de méchancetés qui lui sont lancées à la figure. Il y a trop de jaloux. En disant ça, ces personnes peuvent aller se mettre à prier plus que d'habitude. Je ne sais pas qui prie, mais sûrement le diable pour qu'il arrive quelque chose. Donc c'est ça que je ne l'ai pas le mentionné. Je n'ai pas fait exprès de l'oublier dans mon commentaire précédent, dans la vidéo précédente. Mais là, je voulais pas le mentionner, mais c'est parce que quand je relis les commentaires que vous faites, cette question revient à chaque fois. Pourtant, je crois avoir mis la réponse en fait dans les commentaires, mais apparemment, certaines personnes ne la voient pas. Donc voilà, c'est ça dont je voulais parler. C'est rien de spécial, rien d'incroyable, mais c'est mon opinion sur la raison pour laquelle elle a des longs cheveux qui lui tombent sur la poitrine, contrairement à la vidéo précédente où elle les avait en arrière. Donc voilà, je vais aussi mettre le lien vers ma nouvelle chaîne dans la barre à description aussi, en premier commentaire sur cette chaîne. N'hésitez pas à aller vous y inscrire et afin de regarder de nouvelles vidéos. Merci d'avoir écouté, n'hésitez pas à cliquer sur like si vous avez aimé, à vous abonner pour plus de vidéos et aussi à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.